Ils étaient des dizaines de militants de ces mouvements citoyens à répondre présents à cette activité. Vêtus à majorité en noir, avec bougies allumées à la main, ces militants ont profité de cette activité pour dénoncer les sécurités persistantes à l'est de la RDC et compatir avec les familles des victimes de tueries à Beni, Rutshuru, Kishishe, Ituri et Kwamouf. Stéphanie Mbafumoja, militante de la lutte à Beni, explique sa motivation dans cette activité. Je descends de Congolaise dans mes veines. Je suis venue pleurer avec les familles qui ont perdu les leurs dans les massacres. Aussi, pour moi, une façon d'appeler toute la communauté congolaise, tout le peuple congolais, de nous unir, d'unir toutes nos forces, mettre fin à ce massacre qui a longtemps duré dans notre pays. Cette activité de deuil collectif a été organisée à la suite des trois journées de deuil décrétées sur toute l'étendue du territoire national par les chefs de l'État Félix Tshisekedi. Tout en encourageant cette initiative, cette militante de la Lucha voit une certaine discrimination des victimes des tueries de Beni par les chefs de l'État. Elle appelle tous les Congolais à l'unité. Et c'était comme s'ils discriminaient, qu'ils prenaient un peu à la légère la situation de Beni. Il n'y a pas qu'à Kishishe qu'il y a de Congolais. Il n'y a pas qu'à Masisi, il n'y a pas qu'à Rutshuru, il n'y a pas qu'à Goma. Les Congolais sont partout. Toutes les provinces de la République englobent le Congolais. Et que les morts de là ne peuvent pas plus l'intéresser que celles d'ici. Ce sont tous les Congolais qui sont en train de perdre des vies. Ce ne sont pas que des statistiques. Les chiffres que nous sommes en train de voir par-ci, par-là ne sont pas que des statistiques. Ce sont des êtres humains, ce sont des Congolais. Il est temps qu'on a longtemps été victimes, nous avons vraiment souffert. Il est temps que les choses changent. Disons que l'activité s'est clôturée par la rédaction des identités des victimes sur Ekaliko. Aucun incident majeur n'a été enregistré, malgré l'absence des services de sécurité pour la sécurité de cette manifestation.